J'ai longtemps cru que je m'en sortirais jamais sur le plan social. J'avais même une sorte de phobie quand on m'invitait à des anniversaires ou qu'on m'invitait dans des groupes ou quand j'allais à des networking. J'étais toujours stressé, rien qu'à l'idée que j'allais pas connaître des gens, que j'allais me retrouver dans un milieu que je ne maîtrise pas sans avoir mes amis là où je serais à l'aise. Et c'est vrai qu'en tant qu'ancien timide et toujours introverti, ça a toujours été un challenge, l'aspect social. Bienvenue ici, Joanne Yangting. Aujourd'hui, on va parler d'influence, de communication quand on a un profil introverti et surtout les 4 mythes que vous devez arrêter d'entretenir et qui vous empêchent justement de vous développer sur le plan entrepreneurial, sur le plan social et qui créent beaucoup de croyances quand on a un profil introverti. Et bien entendu, je différencie la timidité qui peut être vaincu et sur lequel on peut travailler, et le fait d'être introverti qui a un trait de personnalité. Alors oui, beaucoup diront, il n'y a pas l'introverti et l'extraverti, ça dépend des contextes, etc. Oui et non, c'est plus compliqué que ça, mais surtout, vous le savez que forcément, selon le cas dans lequel vous êtes, vous allez changer. Mais quand je parle d'introverti, ce sont les personnes qui, la majorité du temps, ont besoin d'être seules et qui aiment être seules, qui, après beaucoup d'interactions sociales, vont se sentir épuisés, vidés, ont besoin de récupérer. Des personnes aussi qui ont du mal à se mettre en avant, à s'exposer, ils ne sont pas du genre à aller parler, à aller vers les autres. Ça, je m'adresse à vous. Et si vous êtes vraiment dans ces profils-là, j'ai envie de partager vraiment aussi une expérience. Une expérience parce que je vous dis que sur vraiment tout, on va dire, les 2 premiers tiers de ma vie, ça a été un énorme challenge. Ça a été vraiment quelque chose de difficile. Quand j'étais petit, je me sentais à l'écart, je me sentais bizarre, je pensais que socialement, j'étais exclu. J'ai même créé des complexes quand j'étais plus petit, j'ai vécu un peu de harcèlement parce que j'étais un petit peu rond. Voilà, un peu, on appelait bouboule. Ça fait partie de la vie. En grandissant, bon voilà, je me suis fait des amis, j'étais plus à l'aise, mais j'ai toujours gardé ça et j'ai toujours eu du mal à avoir beaucoup d'amis, etc. Et c'était plutôt du genre à avoir un petit groupe ou des gens avec des relations très très fortes. Et tout ça, j'ai mis du temps à comprendre ce que c'était d'être introverti et j'ai mis du temps aussi à comprendre que on peut très bien l'assumer et le vivre très très bien. Il est vrai que notre société valorise l'extraversion. On montre le succès de la personne qui va vers les autres socialement, etc. C'est vrai que l'être humain est une bête sociale et l'extraverti, forcément, il est plus visible, il fait plus de bruit, on le voit plus et on a cette image du succès. Pourtant, le monde aujourd'hui est quand même dirigé et en majorité par des introvertis. Les plus grosses boîtes, les GAFAM et tout, ont été créées pour la majorité par des introvertis. Et pour moi, il n'y a pas une notion de tu es extraverti, tu vas réussir, tu es introverti, tu vas réussir. Ça ne définit pas une réussite. Être introverti, c'est, comme je l'ai dit, quelqu'un qui est plus dans l'observation, qui parle moins, qui est plus en retrait, etc. Mais ça n'empêche pas qu'il peut développer aussi des compétences, qu'il peut s'entourer, qu'il peut avoir des super idées et les amener jusqu'au bout, qu'il peut aussi vendre. Et ça, c'est un grand mythe, c'est le fait de ne pas pouvoir vendre ou faire de marketing quand on est introverti. Et l'histoire le montre et j'ai envie aussi, moi, de montrer qu'à travers mon parcours, j'ai réussi ça. Donc déjà, la première chose, je fais un petit rappel. N'oubliez pas que je viens de sortir ma nouvelle méthode de l'art de l'influence, de la vente et du marketing pour les introvertis. J'ai eu beaucoup de demandes. Lors d'un live dernier, j'ai eu beaucoup, beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils avaient du mal à s'exposer sur les réseaux, se montrer, vendre, se mettre en avant, etc. Et je sais que c'est très compliqué. Et moi, c'est quelque chose que j'ai le plus travaillé pendant 10 ans. Donc si ça vous intéresse, allez en descriptif et vous pouvez rejoindre la méthode et si vous voyez à temps, vous aurez les opportunités, bonus et offres de lancement. Allez voir ça. Mais surtout, ce que je veux vous dire, en plus d'avoir lancé la méthode, c'est que être introverti n'est pas un handicap. On se dit souvent, mais parce que je suis introverti, je suis comme ça et je ne peux pas. Ça, vous vous enfermez et le problème, c'est que vous vous retrouvez avec des croyances. Vous vous dites, ok, moi, comme je suis introverti, ben, par exemple, je ne peux pas être bon vendeur. Et pourtant, moi, franchement, mes taux de conversion, quand je fais les appels de vente, je suis à plus de 80%. Ce qui montre que quand même, il y a un truc. Et pourtant, je ne suis pas du genre à aller agresser les gens, les pousser, leur mettre une deadline au téléphone pour les pousser. Non, ça se fait naturellement. De même, on peut se dire, mais je serai jamais bon en prise de parole en public. Ben, mon vrai déclic sur l'introversion, ça a été que on m'a donné l'opportunité pendant mes études de faire une conférence devant la classe, donc c'est plus une présentation. J'étais en école d'ingénieur et j'ai vu que tout le monde a été captivé, j'ai eu des super retours et ça a créé chez moi un déclic. Ça veut dire que quand j'ai eu l'opportunité de le faire, je l'ai bien fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'une de mes zones de génie, c'est la conférence. Et beaucoup de personnes qui me voient en live, en conférence, me donnent ces retours et moi-même, j'y crois pas. Parce que moi, dans ma tête d'introverti,
Au début, je pensais qu'on ne pouvait pas. Et pourtant, toutes ces personnes me disent à chaque fois, waouh, tes conférences, waouh, tu dégages un truc, il y a un truc qui se passe. Par contre, après la conférence, quand c'est le moment de networking, moi, je suis plutôt au bar, je suis dans mon coin, les gens viennent me parler s'ils me connaissent, mais il y a un petit peu du mal. Pareil, quand je vais aller networking, quand je vais, comme j'ai dit, à des anniversaires et tout, maintenant ça va, mais quand j'étais plus jeune, bah, j'étais celui qui n'allait pas parler aux autres. Donc, soit je passais ma soirée à attendre qu'on vienne me parler, soit je trouvais quelques introvertis avec qui créer du lien. Tout ça pour vous dire que il n'y a pas de règle ultime, c'est juste qu'on est comme on est et que on doit assumer. Et franchement, le fait d'assumer, j'ai même mis dans ma bio Instagram que je suis introverti, le fait d'assumer, même d'en rire, ça dédramatise beaucoup de situations. Parce que le premier mythe qu'on pense, c'est qu'on est bizarre. C'est qu'on se sent bizarre. Je vais vous dire une chose, c'est une projection. On projette le fait d'être bizarre. Comme on considère qu'on est bizarre et qu'on n'est pas à l'aise socialement, on va se comporter ainsi. Ça va renvoyer une image aux autres qui va nous la renvoyer. Et comme les gens, ils vont vous sentir pas à l'aise et bizarre, ils vont se dire, bah oui, il est vraiment bizarre. Vous avez vu, c'est vraiment un truc où on se crée notre réalité. Et pendant longtemps, je culpabilisais parce que beaucoup de gens me disent, mais t'as passé un bon moment parce que tu parlais pas. Mais pas parce que je parle pas que je passe un bon moment, c'est juste que bah, je vous écoute, je passe un bon moment, je suis là. Et puis si j'ai un truc à dire, souvent l'introverti va parler à un moment où c'est pertinent, va lâcher le truc important. Et c'est pour ça peut-être qu'on nous écoute quand on parle. Également le fait aussi de se retrouver souvent dans des situations un peu, il y a des malentendus. Ça veut dire qu'on va soit penser que je suis arrogant parce que je parle pas beaucoup, je suis dans mon coin, alors que non, c'est juste que bah, parfois c'est justement la timidité et l'introversion peuvent être dans certaines situations prises pour de l'arrogance parce qu'il y a un problème de communication. De même, je me sentais bizarre parce que dans les affaires, dans le business, ben beaucoup de prospects me disaient « mais toi, t'es pas comme les autres, toi, tu ne vends pas pareil, je m'attendais à un entretien de vente et finalement, ben, j'ai eu un max d'informations et justement, je vais bosser avec toi ». Il y a des choses comme ça qui se créent. Et d'ailleurs, dans ma méthode pour la vente, trailer de convaincre, je vous enseigne comment faire, mais je dis pas que c'est un truc où je manipule, c'est juste que je suis moi et c'est ma façon de faire. Et j'adapte mes stratégies par rapport à ça. Donc, vous n'êtes pas bizarre. Et d'ailleurs, on peut être très bien introverti juste à travers l'écoute, l'observation, le fait d'être calme et les personnes peuvent aimer votre présence. On dit que la vente, l'influence, c'est le fait d'être prendre de la place, d'en imposer, de se mettre en avant. En vrai, c'est de l'écoute. Et j'ai créé beaucoup de liens forts juste par l'écoute parce que c'est ce que j'aime et les gens, en fait, ils sont à l'aise par rapport à ça, pour me dire des choses et tout, parce qu'ils sentent écoutés et compris. Le pouvoir aussi de l'empathie. Vous n'êtes pas bizarre. C'est juste vous qui avez décidé ou des codes de la société qui ont décidé que vous étiez bizarre. Mais le moment où vous assumez, le moment où vous êtes bien avec vous-même et que vous mettez plus cette pression de « il faut que je sois comme ça » ou « comment les gens me voient », mais plus « ok, je suis moi-même et je passe mon moment et je fais ce que j'ai à faire », ça dédramatise beaucoup parce qu'en fait, on se raconte beaucoup, beaucoup d'histoires dans la tête. Et notre perception du monde, ce sont les histoires qu'on se raconte dans notre tête. Le deuxième mythe, c'est de croire qu'on ne sommes pas de bons leaders. Ben, un introverti, contrairement à ce qu'on pense, est un excellent leader et je dirais même plus que ce sont les meilleurs leaders. Alors, j'exagère un peu, c'est bien entendu, c'est plus subtil que ça. Il y a des très très bons leaders extravertis aussi, mais je dis juste que les introvertis ont plus de potentiel d'être d'excellents leaders. Pourquoi ? Parce qu'ils incarnent des valeurs. L'introverti est plus dans justement l'introspection, l'introversion, la réflexion. Et les introvertis ont plus de facilité. Je dis pas, encore une fois, je n'oppose pas avec les extravertis. Je dis juste qu'il y a des facilités. Plus de facilité à incarner des valeurs, une certaine capacité d'observation, de calme, d'être posé, de réfléchir avant de parler. Et ça, c'est extrêmement précis pour le leadership. Parce que le leader, quand on est introverti, nous avons des capacités d'empathie et d'écoute. Ce qui fait qu'on va tout de suite comprendre la situation des autres, comprendre leurs besoins, comprendre où ils en sont. Par exemple, c'est très difficile pour un introverti de laisser un employé ou une personne, un collaborateur mal parce que leur capacité d'empathie fait qu'on va capter les trucs. Là où peut-être certains, encore une fois, j'exagère, c'est des traits de caractère un peu caricaturé, mais les extravertis peut-être vont tellement aussi beaucoup parler qu'ils vont pas capter qu'il y a un truc qui se passe là où l'introverti va tout de suite capter. Donc ça, je dis, c'est très important à comprendre. Il y a également, alors là, c'est un truc sur lequel il faut faire attention, c'est que c'est vrai que
Le revers de la médaille, c'est trop être en pâte et trop parfois s'écraser ou être trop parfois gentil entre guillemets. Ça n'empêche pas de s'affirmer, ça n'empêche pas de poser des limites, ça n'empêche pas aussi d'être ce leader ferme qui prend les décisions. Mais quand on est introverti, cette capacité d'écoute, d'empathie, d'analyse, d'observation aide aussi à pouvoir mieux comprendre les personnes et les amener. Parce que l'influence, c'est aussi ça. Capter ça dans la tête de l'autre et pouvoir lui donner ce qu'il veut. Mais aussi, c'est la capacité à incarner des valeurs et des choses qui vont tirer les autres vers l'avant. Et ça, c'est extrêmement important en tant que leader. L'autre mythe, c'est que, pareil que pour le leadership, on ne peut pas être de bons vendeurs. Ben, je vous l'ai dit, les introvertis peuvent être de très bons vendeurs. Parce que la vente, à la base, ça s'apprend, c'est une compétence. Ce qui bloque l'introverti, c'est l'aspect bizarre socialement, comme j'ai dit avant, chez certains. Ça veut dire le manque d'aisance sociale, le manque, cette peur aussi du jugement, syndrome de l'imposteur, qui sont beaucoup plus forts. C'est pas que chez les introvertis, mais c'est beaucoup plus fort chez eux. Et ce qui fait que vous allez avoir cette tendance à vous dire, ok, ouais, mais là, je suis pas à l'aise pour vendre, pour me mettre en avant, pour pousser le truc. Ben, ne vendez pas. Faites-vous acheter. Et c'est ça l'une des meilleures stratégies de vente pour introvertis. Et ce que j'enseigne dans ma méthode pour les introvertis, c'est de devenir plus attractif, créer de l'attraction. Plutôt d'aller vers les autres, parce qu'on n'est pas bon pour ça, et moi je suis toujours pas bon pour ça, ben les faire venir. Par contre, je suis très très bon pour ça. Même dans, c'est vraiment vraiment une stratégie de, ok, on n'est pas bon pour aller prospecter à froid, on n'est pas bon pour aller chercher les gens, pendant un networking aller parler à tout le monde, mais on va faire en sorte de faire venir les personnes et de se créer aussi une réputation et aussi de créer une attraction. Il y a plein d'astuces que j'enseigne et qui permettent de faire ça, mais vraiment ce mythe qu'on n'est pas bon vendeur, ça c'est une catastrophe parce que beaucoup de personnes deviennent des très 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 bons vendeurs alors qu'ils sont introvertis. Moi je considère que la vente, je viens d'extrêmement loin. Et j'ai beaucoup appris parce que ça s'apprend. Ça s'apprend. Être introverti, c'est pas une excuse ni un handicap. Parce que la communication, la vente, ça s'apprend. Et enfin, il y a le côté, ouais, mais on peut pas être bon en prise de parole en public. Parce que quand on est introverti, si on n'est pas à l'aise dans une foule et que ça nous prend de l'énergie, ça nous vide, bah, ça va être compliqué. Totalement faux. On peut être introverti et être très bon sur scène. Il y a beaucoup de conférenciers qui sont introvertis. Parce que sur la scène, c'est pas la même chose. La scène, en fait, c'est comme si on vous donnait l'autorisation de parler. L'introverti, il a du mal à, on va dire, parler sans qu'on lui ait demandé. Mais quand on vous met sur scène ou quand on vous mettez sur scène, c'est un moment d'autorisation de soi. Et d'ailleurs, c'est une des astuces aussi pour se débloquer sur la timidité, par exemple, c'est plus s'autoriser. Mais ce que je veux vous dire ici, c'est qu'on peut être très bon communicant. C'est tout, c'est le tout, c'est d'assumer son énergie. Beaucoup trop d'introvertis, ils veulent ressembler, par exemple, ils veulent ressembler à des Tony Robbins et ils veulent ressembler à des conférenciers extravertis. C'est pas l'idée. Au contraire, ayez plutôt cette énergie posée. C'est-à-dire vraiment, l'introverti, il peut être beaucoup plus posé, beaucoup plus calme, mais ça n'empêche pas qu'il ait une posture, qu'il ait un leadership, qu'il ait une aura qui soit forte. Et le, ça, c'est encore une fois, c'est du travail. On pense que, ouais, mais je suis comme ça, mais je pourrais jamais. Tout le monde, extravertis et introvertis sont stressés pour aller sur scène. La grande majorité. C'est sain, c'est normal. Mais dans les deux cas, les deux peuvent travailler leur énergie. Et si vous travaillez bien, le tout, c'est de libérer qui vous êtes et votre énergie. C'est pas de prendre l'énergie de quelqu'un d'autre, de se dire, comme je suis sur scène, il faut que je sois comme ça. Alors oui, forcément, à la télé, les trucs comme ça, vous allez plus voir d'extravertis parce que ce sont les codes. Mais vous, si ces codes ne vous correspondent pas, vous pouvez travailler sur d'autres choses pour en imposer. Et pour avoir cette posture de leadership qui crée du rayonnement en étant vous-même. Et comme je dis souvent, c'est un de mes mantras et ce truc que je dis le plus souvent dans mes contenus, c'est que le plus important, c'est d'être vous-même et c'est là que vous rayonnez. Et accepter cette part d'introversion, en rigoler. Parfois, moi, je dis, ouais, ben, c'est vrai, je suis sauvage. Parfois, je partage des stories, j'en suis content, je suis au cinéma, il n'y a personne, la salle est vide, les choses comme ça, mais c'est marrant, mais j'en rigole, et encore une fois, c'est pas contre les autres. C'est pas parce qu'on est introverti, qu'on a besoin de solitude, qu'on n'aime pas les autres. C'est juste que nous, on a besoin de notre espace, de notre moment, de notre solitude, et on n'est pas tout le temps seul. Donc en fait, il faut casser ces mythes et je suis comme ça et c'est fini, et plus se dire, ok, j'ai un fonctionnement et comment j'adapte ma vie à ça. Oui, on peut avoir un cercle social, mais très très fort, parce qu'en introverti, on va plus aller vers de la qualité que la quantité. On peut aussi influencer, on peut aussi attirer les bonnes personnes, on peut aussi avoir du réseau, mais tout ça,
ça demande enfin de mieux vous connaître et mieux vous comprendre et surtout d'adopter des stratégies qui vous correspondent. Et tout ça, je l'enseigne dans la nouvelle méthode que je viens de lancer. Donc allez voir si ça vous intéresse. Et comme je vous ai dit, le moment où vous assumez qui vous êtes et comment vous fonctionnez, les portes s'ouvrent et la vie devient beaucoup plus simple. J'ai pas dit facile, j'ai dit simple. Plein de succès à vous et n'oubliez pas, soyez vraiment vous-même et adoptez les stratégies qui vous correspondent. Plein de succès, à très bientôt, c'était Joanne Yantine.